Et salut tout le monde, c'est Julien Gamer32, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Écoutez, on est dimanche, c'est au mois d'août, il fait beau, il fait chaud, il fait surtout très très chaud. En regardant mon thermomètre, nous sommes à 30 degrés dans la chambre, mais aussi dehors, c'est magnifique, il fait aussi chaud dedans que dehors. Je peux pas allumer même pas la clim parce que sinon vous allez plus entendre ce que je vais dire. Si j'arrive à terminer cette vidéo sans me liquéfier, ce sera une bonne chose. Sinon, prévoyez des pelles, je sais pas, pour me ramasser ou un truc comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve sur Wolfenstein The New Order. Donc, pour information, c'est développé par Machine Games, édité par Bethesda Softworks. C'est un FPS qui est sorti le 20 mai 2014. Et oui, j'ai pas trouvé le temps, nous sommes au mois d'août, j'ai pas trouvé le temps donc de le faire avant. À cause de Watch Dogs, alors je vais pas dire à cause parce que c'est pas non plus sa faute, c'est un très bon jeu. Mais comme je me suis lancé dedans, j'ai voulu le finir. Donc maintenant c'est fait. Watch Dogs est vraiment complètement terminé. J'ai même eu tous les succès. Donc je me suis dit, allez, on va faire Wolfenstein cette fois-ci. Donc je l'ai enfin terminé lui aussi. Tous les succès inclus, même ceux qui sont les plus difficiles à voir, puisqu'il faut terminer le jeu en mode avec le mode le plus difficile, voilà, pardon. Mais bon, pour vous, je vais faire... Le premier niveau en facile pour aller assez vite parce que je me connais, j'aime bien épiloguer un petit peu dans mes chapitres, vous montrer un petit peu tout ce qui s'y passe. Donc du coup ça va être très long comme à chaque fois. Donc là vous pouvez le voir maintenant, c'est chapitré en bas à gauche, donc vous cliquez sur ce que vous voulez. Hein. Ce sera un chapitre toutes les 10 minutes, donc le premier chapitre qui consiste à remettre la vidéo au début. Pour avoir donc tout simplement le logo et tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. Le chapitre 2 qui sera... au bout de 10 minutes, le chapitre 3 à 20 minutes, chapitre 4 à 30 minutes, et etc. ainsi de suite. Donc toutes les 10 minutes, je vais essayer de mettre un chapitre. Comme ça, vous pourrez finir et arrêter votre vidéo quand vous voulez, et la reprendre au moment où vous en êtes arrêté. Donc voilà, avant de commencer la partie, je vais vous montrer déjà les paramètres graphiques utilisés. C'est tout bête, hein, c'est comme d'habitude, toujours à fond, ma carte graphique, elle suit, donc c'est très bien. Donc hop, onglet vidéo, donc je suis en plein écran 1920x1080 comme d'habitude avec synchro vertical, luminosité et champ de vision par défaut. Ce qui est le plus intéressant à voir, ce sont les paramètres avancés. Donc qualité graphique, je me suis mis en personnalisé. Alors je vais vous expliquer pourquoi. En ultra, le jeu ne se mettait pas en ultra, c'est tout con à dire, mais il y avait des options qui étaient proposées en plus. Donc tout simplement en modifiant les paramètres qu'on peut avoir en plus, ça passe en personnalisé. Donc à taille du casque, je me suis mis en élevé, compression TV, j'ai pas besoin. Compresser les textures, économiser la mémoire graphique. Oui, donc vous voyez, désactiver pour améliorer la qualité, donc voilà. PPF max en 64, résolution des ombres en 8192, donc c'est ces deux options qui m'ont mis en personnalisé, parce que par défaut, elles sont pas à fond, loin de là. Profondeur du champ et reflet screen space en élevé, option graphique autre en ultra et brume halo avec, voilà, activé. Donc voilà pour ce qui est des options. Donc ce jeu peut être joué en deux versions, la version Fergus et la version Wyatt. Donc ça c'est à vous de choisir quand vous arrivez à la fin du premier chapitre. Vous allez devoir faire un choix entre Fergus ou Wyatt. Donc voilà, sachant que chacun apporte son amélioration. Donc Fergus vous apporte 10 statuettes cachées dans tout le jeu, à savoir sur les 16 chapitres, qui vous permet d'avoir... Chaque statuette 10 points de plus en santé, donc vous démarrez à 100 et vous vous retrouvez du coup avec, avec 200 au total. Ou la version de Wyatt qui vous propose de trouver pareil 10 statues, mais cette fois-ci de bouclier d'armure. Tout simplement, ça ne vous donne pas 200 points d'armure, ce serait trop facile. Vous restez à 100 points d'armure, mais par comparaison, par exemple, une armure, on va dire, style gilet par balle, vous rapporte 30 points d'armure par défaut. Quand vous avez les 10 statuettes, elle vous en rapporte 100. Donc c'est bien quand vous arrivez au boss de fin, justement, d'avoir une armure qui vous fait grimper d'un coup, comme ça vous êtes tranquille, bien protégé, sans trop perdre des points de vie, parce que le boss de fin est assez complexe à tuer, surtout quand vous êtes en difficulté maximum. Si vous n'avez pas l'astuce, vous allez en chier, même moi j'en ai chié, mais un truc de fou. Donc voilà, bon, ça je vais pas vous le montrer, quoique peut-être, je sais pas. C'est déjà assez long faire la vidéo du chapitre 1, peut-être que je ferai l'astuce du chapitre dernier, mais j'en suis pas sûr, je pense pas quand même. Je préfère vous laisser découvrir le jeu et finir le jeu par vous-même, ce sera beaucoup mieux. Donc on va se retrouver d'ici quelques instants donc, sur cette nouvelle partie. Donc comme je vous ai dit, je vais le faire avec le niveau le plus facile, donc à savoir je peux jouer papa, pas pour éviter de me faire tuer comme une grosse merde, je peux me cacher, ça m'est arrivé bien sûr.
Mais si je le faisais en mode Uber, il me faudrait au moins 2 heures pour faire ce chapitre premier parce que c'est très très dur, les ennemis sont coriaces. Bon là avec Je peux jouer papa, le niveau est très facile. Les ennemis meurent au bout de 2 balles. Voilà, c'est pour ça. C'est pour pouvoir essayer d'avancer le plus vite possible sans vouloir en couper trop. Donc voilà, on se retrouve donc d'ici quelques instants, juste après la cinématique. Allez, à tout de suite. Dans mon rêve, je sens l'odeur du barbecue. J'entends des enfants. Un chien. J'aperçois quelqu'un. Enfin, je crois. Mais rien ne m'est destiné. J'avance sous les rugissements des moteurs. Nous sommes des guerriers venus de la nuit. Les yeux bien ouverts, Blazkowicz. Et tu fais le guet. Il faut que je puisse. Oh merde! Et voilà, donc on commence directement dans le feu de l'action. Et c'est comme ça que tourne le jeu. De toute façon, il y a toujours quelque chose à faire dès très vite. Alors, donc voilà, ça va pas être facile de discuter avec. Donc voilà, je vais directement aux endroits. Et voilà. Voilà, il y a un petit peu de silence, c'est magnifique. Donc voilà, comme je vous disais, donc ça commence vraiment sous les feux de l'action. Hein. Il y a déjà eu un moteur à couper parce qu'il prenait feu, des cargaisons à jeter parce qu'on perdait l'altitude, on pouvait se crasher. Donc vous voyez, ce jeu, il commence à avancer, enfin il va déjà très très vite. Et il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose qui se passe. Bon, je vais pas faire l'étonner puisque j'ai fini le jeu à 100%, hein, succès inclus. Je vous explique, je rigole parce qu'il y a mon chat qui est en train de me faire des mambours sur le menton et plus je recule la tête et plus il se frotte. C'est un tour de fou. Oh là là. Vous êtes dans un sale état, Condor 9. Je vois de la fumée. Fuite au niveau des gouvernails. Et le
Merci de faire ce tour. Oh, Condor 9. Répondez, Condor 9. Merde, je transporte des troupes. Condor 9, répondez. Répondez, Condor 9. Ici, Condor 9. Qui c'est? Soldat Wyland, 109e aéroporté. Ok, mon gars. Ouvrez bien vos oreilles. Bon, vous voyez le manche du pilote? Je le vois. Bien. Je veux que vous l'attrapiez fermement à deux mains. Et que vous le tiriez vers vous. Ne le tournez pas. Il doit rester droit. Tirez-le juste vers vous. Bien reçu. Je crois que ça fonctionne. On se stabilise. Ok, soldat Wyatt. Vous allez faire une dernière chose pour moi. Quoi? Postez un homme près de la porte latérale. Vous allez avoir de la visite. Bien reçu. Blazkowicz, ouvre la porte du cockpit. Tu devras la tenir. Ensuite, suis-moi. Donc j'ai pas eu le temps de trop parler parce que vous voyez, il y a tellement de bruit et de discussion que... Alors là, il faut tout simplement que je cours et que je saute. Voilà, donc il faut le relever. Et ensuite, il faut des claques. Fergus, où t'en es de ton côté? Blazkowicz, on est dans la merde jusqu'au cou ici. On est piégé à l'intérieur d'un avion pendant qu'un genre de cerbère blindé essaie de nous boulotter. Ouais, j'ai le même problème ici. Je suis coincé dans une épave. Tu vois par là-bas? Hey Wyatt, allumez les lumières. Blazko, est-ce que tu la vois? Wyatt, essayez-moi ça vite. D'accord. Je vous vois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Impossible de l'atteindre d'ici. On est piégé dans cette boîte de conserve. Et toi, tu pourrais peut-être tuer ce cabot en utilisant la tourelle dans le cockpit de notre appareil. Il nous faudra au moins ça pour en venir à bout. Essaie d'y aller à la nage. Tant que tu gardes la tête sous l'eau, tout va bien se passer. Bonne stratégie, Fergus. J'arrive tout de suite. Bon voilà, donc nous avons récupéré l'accès à notre personnage, ça a été un petit peu lent pour atterrir sur cette plage, bon il a fallu que ça explose, voilà. Donc comme je disais avant que je me fasse couper à multiples
Reprise. Oh là là, celui-là il s'est fait trancher la gorge avec une grosse barre, bien dégueulasse. Donc graphiquement, c'est pas vilain, hein, le jeu est bien fini. Comme ils disent dans la vidéo, ils ont pris du retard justement. Oui, nous sommes en 46, alors que normalement la guerre s'est finie en 45, donc c'était pour vous dire. Tout le jeu se jouera en 1960, mais là c'est le chapitre 1 qui est spécial, nous sommes encore en 1946. Mais vous allez comprendre à la fin de la vidéo pourquoi il va se passer autant de temps. Là, avant, on va commencer donc avec le couteau, il faut ramasser les munitions et surtout briser les caisses pour pouvoir passer. Voilà, j'ai récupéré ma santé à 100%, c'est magnifique. Ah, maintenant c'est un peu plus silencieux, c'est génial. Parce qu'il faut quand même avouer que Wolfenstein, c'est la guerre, il y a du bruit. C'est pas évident, évident de pouvoir discuter, enfin discuter, de pouvoir expliquer des choses quand on a autant de brouhaha en fond. Bien que j'ai baissé le son du jeu, vous m'entendez quand même comme il faut maintenant, c'est grâce à Action qui enregistre, donc comme d'habitude, mes vidéos. Alors ça c'est une grosse bébête, comme vous le voyez, il va falloir qu'on l'évite. Mais vous allez le voir un peu plus tard, quand j'aurai un canon anti-aérien, je vais pouvoir détruire sa gueule, à ce gros robot dégueulasse là, parce que par défaut les balles ne lui font strictement rien. Vous allez le voir quand je vais monter dans la tourelle, justement si j'arrive à y monter avant qu'il disparaisse. Ah, elle sera peut-être un peu juste. Non, vous voyez, je tire dessus. Elle réagit pas. Donc moi, mon but c'est de détruire ces gros totos. Et d'un, et un deuxième là-bas. Et voilà, et de deux. C'est un gros clébard dégueulasse. Bon, on lui voit pas bien la tête. Oh non, mais en fait la tête elle explose quoi. Ah non, ça c'est le haut du crâne où on voit les circuits et dessous la mâchoire, ouais. Tu ferais mieux de réfléchir un peu au lieu de foncer tête baissée. Bon, écoute. Il y a trois nids de mitrailleuses dans ces tranchées là-bas. L'unité peut pas avancer sans se faire étriper. Alors tu vas m'infiltrer ces tranchées et éliminer les tireurs. Tu vas devoir courir aussi vite que possible, droit dedans. Nous, on reste ici pour te couvrir. Bien, voyons. Prends ce casque. Je te tiendrai informé depuis notre position. Ok, prêt à balancer les tirs de couverture? Comme il dit, hein, pas moyen d'y aller sans se faire déchiqueter. Comme par hasard, nous, il faut foncer dans le tas. Enfin, moi, il faut que je fonce dans le tas pendant qu'eux, ils restent au couvert, comme par hasard. Heureusement que c'est en difficulté facile, du coup, ma vie baisse très très peu. Et voilà, 87 points de vie sur 100, c'est pas... Ok, tu y es. Maintenant, neutralise le nid de mitrailleuse. Oula, il y avait un deuxième Allemand normalement qui devait arriver, il est pas venu. En plus, je l'aurai tout à l'heure. Hein. Une petite grenade, et hop, dans sa gueule. Bien joué, Blasco. Un danger écarté. Oh non, j'ai pas besoin. Bon, maintenant qu'ils ont fini de parler, donc il y a la fonction, comme je voulais vous montrer, accroupie, mais on a aussi une touche. Bon, moi j'ai mis 0 du pavé numérique, c'est plus facile avec les touches directionnelles, c'est plus proche. Ça me permet, une fois que j'ai appuyé, de me décaler sur les côtés, de me relever ou de me baisser. Bon, là dans mon cas, il faut que je me baisse pour pouvoir tirer et faire ouvrir la porte. Hop là, voilà, lui au moins il est fini. Donc, ben, l'avantage de pouvoir faire cette touche, c'est de pouvoir se pencher pour tirer comme ça. Donc j'ai une nouvelle arme, je vais la prendre de suite. Un fusil d'assaut, ça va être bien plus efficace. Hop là, vous voyez, les ennemis se font tuer à une vitesse très rapide. Blasco, cette machine
tranché. Inutile de le tirer dessus. Les armes de petit calibre ne les gratifient même pas. On a essayé. Oui, alors là, c'était la grosse machine, comme je vous disais qu'on pouvait tirer dessus, c'est celle-là. Elle est pile au-dessus de nous. Hop là. C'est plus intéressant quand on a deux fusées d'un coup. Hop là, lui dans la tête, c'est bien. Encore là, c'est tout gentillé. J'espère tout à l'heure vous pourrez vous montrer un petit éclatage de côte ou un arrachage de bras ou un truc comme ça. Un truc un peu plus réaliste que ça, parce que là vous voyez, on tire dans la tête, il n'y a même pas de trou, il y a... Bon, enfin voilà. J'espère que plus tard j'y arriverai. À vous montrer ça, ça serait bien sympathique. Là, on voit qu'un peu de sang, mais le corps reste entier, c'est pas méchant là. Bon, là, les deux bras, il les a juste dessous. Hop là! Ils sont très bêtes, ces soldats, vous voyez, ils ont même pas le temps de tirer, que moi je les tue déjà. Cette bestiole que vous avez vu courir, bon, vous avez sûrement reconnu le bruit, c'est un chien, mais pas un chien comme les autres, un chien robot trafiqué par ce fameux boucher comme dans le jeu. Hop là, voilà, le voilà. Ils ont beau mettre des petits bruits qui font peur, moi ça me fait plus rien. Il me fait un petit béco. Non, je déconne. Donc voilà, donc c'est un gros toutou trafiqué. Dans les collections, on le voit, alors attendez, je sais plus dans quel c'est. Hop. Ça doit être par là. Ça, c'est l'honneur. Voilà, le Kampfhund 1946. Donc, c'est un berger allemand trafiqué, recouvert d'armure d'acier et qui a été bourré de produits chimiques. Donc, voilà, c'est extrêmement agressif avec une morsure qui fait très très mal. Alors, oui, dans cette touche J, donc, enfin, moi c'est J par défaut, vous avez les notes, les aides et autres collections. Et ici, vous avez atout. Donc, dans atout, c'est quelque chose de spécial. Donc, c'est à débloquer tout au long du jeu. Donc en tout, vous avez 4, 6, 8, 8 et 8, 16 fois 4, donc 16 fois 2, 32. Donc vous avez 32 atouts à débloquer. Dis donc, il m'a fallu longtemps pour calculer. Donc vous avez 32 atouts, ce qui représente 32 succès sur les 50. Donc déjà, vous voyez, le jeu est facilement... On peut le faire facilement, sachant qu'il n'y a aucun des atouts impossible à faire. Il y en aura certains qui seront un peu plus difficiles que d'autres, mais c'est vraiment pas impossible à faire. Donc voilà. Bon, ben, certains sont faciles, il suffit de tuer furtivement un commandant, éliminer de tirs en pleine tête, enfin voilà. Là, il faut que je fasse des victimes à deux armes en faisant... il faut que je prenne tout simplement deux armes et que je tue 10 personnes à la suite. Bon, ben, je pense que je vais vous le débloquer cet atout, ça va être vite fait, puisqu'il y a plein de soldats juste après. Et comme j'ai mes deux armes... Hop là. Toi, tu vas me donner ton armure. Alors le couteau, en plus de pouvoir l'utiliser pour couper les caisses, on peut s'en servir pour éliminer discrètement un garde par derrière. Voilà. Alors la grosse bébête, elle est là, elle me suit, mais elle peut rien me faire, pour l'instant du moins. Non, même pas, elle peut rien me faire en fait. Elle se promène, elle est contente, elle envoie du jus dans les tranchées, mais la mienne elle est pas touchée, moi, on fout hein, du coup moi j'avance. Et tout à l'heure, je vais la détruire, ça va me faire plaisir de la détruire, vous allez voir, c'est vite fait. Donc voilà, alors ici nous arrivons dans un endroit où il y a un commandant, et il suffit de tuer un commandant discrètement. Comme ça. Bon, là c'était pas discret parce qu'il m'a vu. Je suis en train de me demander, donc éliminer furtivement un commandant. Ouais, donc je l'ai pas eu. Le prochain, ça sera pour moi. Je vais le tuer. Bon, je vais le faire derrière un garde, vous allez voir. Je vais passer derrière celui-ci.
Voilà, ça c'est une élimination furtive. Donc vous pouvez faire tout le jeu en élimination furtive, ou alors vous pouvez faire le jeu en mode bourrin comme je fais depuis le début. Donc c'est comme vous voulez. Au moins je fais en mode bourrin, c'est pour avancer plus vite, parce que si je faisais qu'en discrétion, ce serait trop long d'avancer. Donc hop, il y a un commandant justement qui est un petit peu plus loin. Donc cette fois-ci, je vais arriver discrètement, tuer le premier garde qui est juste là, et tuer le commandant qu'on voit ici. Donc on va attendre qu'il tourne la tête vers l'autre côté, parce que s'il me regarde en train de tuer, je vais me faire zigouiller la gueule. Hop, voilà, il tourne la tête. Donc là, j'ai pu tuer discrètement, il ne l'a pas vu. Donc lui, je vais arriver derrière lui, et je vais le buter. Comme ça. Voilà, je débloque un nouvel atout du coup. Donc, vous voyez, ils sont vraiment pas difficiles à débloquer ces atouts. Hein. Donc bon, les premiers forcément sont très faciles à avoir. Comme là, donc éliminer furtivement un commandant. Donc du coup, chaque fois que vous débloquez un atout, ça vous apporte des améliorations. Par exemple, là, je suis à éliminer furtivement un commandant, ça me rapporte des renseignements sur les commandants à l'écran. Donc sur la carte, tout simplement, il s'affiche les. Non, je suis en train de dire une connerie en plus. Ah non, il faut que j'en tue 3. 5, il faut que je tue 5 commandants pour les afficher sur la carte. En tuer un, ça m'affiche des points d'interrogation qui correspondent donc tout simplement aux objets à trouver, donc à savoir les collections. Donc c'est les codes secrets, les lettres, les trésors. Voilà, ces trois choses qui apparaissent sur la carte en point d'interrogation. Bon, bah là je les ai pas parce que forcément j'ai déjà tout débloqué comme vous voyez en vert. Donc je pourrais pas vous montrer, je vais vous dire exactement où sont certains des objets, comme ça vous pourrez vous imaginer à combien ils étaient, à comment ils étaient. Hop, et ici, bon bah lui je vais l'achever au pistolet. Hop là, ça c'est fait. Alors par contre ici je vais jeter une grenade, alors je vais avancer, je pourrais aller plus loin pour exploser. Pour faire discret, c'est magnifique. En fait, non, j'ai une connerie. Je vais arriver comme un gros sauvage. Voilà. Je suis passé par le côté sauvage. Donc, vous avez pu voir sur le côté signal. Détecté. Donc, c'est le commandant tout simplement. Donc, plus le signal est. Plus les mètres sont courts, plus on est proche de ce commandant. Donc notre but, c'est de le tuer discrètement, parce que tant que le commandant est actif, ça déclenche une sirène. Donc par défaut, la sirène, elle est ici. Et il y a un voyant qui clignote, et ben, le commandant, tant qu'il n'est pas tué, il appelle des renforts. Donc, bon, mais c'est un avantage si on a beaucoup de munitions. Par contre, si on n'a pas beaucoup de munitions, il vaut mieux arriver discrètement avec un couteau par derrière et le tuer. Donc je suis passé ici, normalement quand vous allez arriver et que vous allez commencer le jeu, vous aurez à cet endroit, pile sur cette petite caisse, un fragment de code, et ce sera le fragment de code 1, justement, le 1, 2.1, le 1.1, voilà. Donc bon, ben, là il n'y est pas parce que je vois que même de recommencer le jeu avec une nouvelle partie, ça me repropose pas de les retrouver. Ah ben là j'ai un très bon exemple qui vous montre justement que le commandant est en alerte là, en haut. Et tant que ce commandant est en alerte, eh bien, il donnera l'assaut et surtout il demandera des aides d'autres soldats. Donc ben, si on continue à laisser faire comme ça, on aura d'autres soldats qui arriveront en boucle dans le jeu et ça se finira jamais. Donc il faut le trouver. Donc il y a, vous voyez les mètres, le nombre de mètres qui nous séparent de lui. Et une fois qu'on l'a tué, l'alarme s'arrête et on n'a plus qu'à tuer les derniers soldats restants. Voilà, cache-toi. Et le voilà, le petit commandant avec son petit fusil tout ridicule. Voilà, vous voyez. Voilà, l'alarme s'est arrêtée parce que j'ai tué le Mister qui est là.
Et du coup, il suffit de tuer tous les derniers gardes restants et on est tranquille et on pourra continuer l'aventure. Bon, moi dans mon cas, je suis allé lourd, hein, donc c'est sûr, vous pouvez le voir, hein, mais ils sont tous allés à m'attaquer. Ah, tiens, voilà, je suis content, je voulais vous montrer. Bon, là, c'est pas bien représenté, mais il lui manque un morceau, monsieur. Donc, si j'arrive à en tuer un autre avec un morceau manquant, ce sera bien. Alors, ce jeu est vraiment dégueulasse au niveau des gore, donc c'est forcément déconseillé au moins de 18 ans. Et là, ça, c'est sûr, parce qu'il y a des morceaux de sang qui giclent. Il y a du sang qui gicle, il y a des gardes qui explosent. Hop là, hop là, hop là. Ou alors là, avec tout ce que j'ai tiré, il y a forcément une On est garde qui a assaut. dû avoir un morceau qui a On a sauté. réussi à passer. Ouais, celui-là. On se rapproche de la paroi de la falaise, juste en dessous de la base du boucher. J'espère qu'on a une corde assez longue pour grimper jusqu'en haut. Hop là, donc celui-ci, vous voyez, hop, on voit les côtes, il lui manque un morceau. Donc voilà, c'est des morceaux. Quand on explose les têtes aussi, un discretos, il y a la cervelle par terre. Pour certains petits gosses qui jouent, ça pourrait les choquer. Bon, c'est pas méchant, voilà, c'est pas que je dis, mais faites ce que vous voulez, vous êtes grand, hein. Mais bon, ça peut être choquant pour certaines personnes. Donc je préfère vous prévenir, hein, au moins j'ai fait mon travail. Hop là. Alors là, on va prendre cette machine. Et on va détruire ce gros machin. Donc là, on l'a appelé. Enfin, on l'a alerté. Donc il va se rapprocher de nous. Il va allumer son système électrique. Et il faut tirer. Donc on s'est allumé. Et voilà. Et on le tue comme ça. Et Dodo, la grosse C'est toi qui as bébête. détruit ce tas de ferraille, Blazkowicz? C'était du gros tard. Non mais... Tu me surprends toi maintenant? Alors, ici nous avons une petite salle donc secrète, on va dire quelque sorte. Vous pouvez le voir ici, à cet endroit à côté, il y a une espèce de porte fermée, pourtant il y a un mur. Donc, je vais vous le montrer. Vous pouvez aussi trouver directement dans les jeux des morceaux de journaux. Donc là ici, on voit un article où il y a le Führer, donc à savoir, pardon, le Führer, à savoir Hitler qui veut la paix. Mais pour lui, la paix, c'est s'il faut tuer tout le monde pour l'avoir, il tuera tout le monde. Donc ici, donc souvent, on a des petites énigmes à faire. Bon, vous voyez, cette énigme est très courte. Il suffit juste d'activer les panneaux de commande dans le bon ordre pour ouvrir cette fameuse salle secrète qu'on peut voir maintenant sur la map avec mon ma petite flèche verte qui est dedans. Donc ici toujours pareil, il y a normalement un fragment de code. Et ici c'est surtout ce qui m'intéresse. Nous avons le silencieux. Alors pour ça, le silencieux, je vais activer O2 machin. Ah bah du coup je les ai enlevés comme un con. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais arriver comme ceci, en discretos. Bon, pourtant on marche assez vite quand même, hein. Et je vais tuer tous les soldats, donc ils vont pas m'entendre. Ils m'entendent pas, ils me voient quand même, hein. Ils savent que je suis là. Hop là. Avec un peu de chance, il y en a eu sûrement un qui a un morceau qui manque. Mais je suis en train de me demander. Non. Bon, lui, il est intact. Ah, c'est dommage. J'aime bien quand il manque des morceaux sur les soldats. Ça montre le réalisme un peu. C'est pas mal. Bon, bah là, c'est pas le cas, malheureusement. Planque toi parce que là tu t'es décanillé la gueule.
Bon, et ben loupé, hein. Enfin, loupé, non, parce que moi j'ai quand même tué mes ennemis. Pas, même pas, il a la tête qui explose, lui. Bon. Bon, ben tant pis, je vous montrerai pas des morceaux, hein. On a mi-chemin sur la paroi. On sera bientôt à la base. Retrouve-nous en haut. Hé, soldat Wyatt! Alors, je vais prendre mon double pistolet et en visant un soldat discreto, je vais essayer de lui faire exploser la caboche. Enfin, j'en prends plutôt un pour pouvoir viser. Ah, là, il y a un morceau qui a giclé, ça c'est sûr. Bah, vous voyez ce qu'il y a par terre, voilà, le cerveau et le morceau de crâne. Ça, c'est la petite cervelle. Elle est belle, hein? ou non, c'est un morceau de crâne, je sais pas. Où le cerveau est là, embouillé. Malheureusement, ça finit par disparaître. Donc, on le voit bien ici, hein? Le morceau de colonne vertébrale. Voilà, bon, je suis content. J'ai montré un morceau de corps défoncé. Et un morceau de... Et le crâne, surtout, qui explose. C'est magnifique. Bon, je vais essayer d'avancer parce qu'on a déjà 38 minutes de jeu. Alors voilà, Wyatt. Et Fergus qui est un petit peu plus haut. Donc Fergus, c'est un peu le papounet, le papounet du jeu. Qu'on va voir dans la vidéo, justement. Donc Wyatt, il nous aide. C'est lui, le petit jeune. Et Fergus, le plus vieux. Donc Fergus, c'est lui qui parle. Voilà. Qui est en train de remonter le grappin. Juste derrière nous, se trouve le pilier de l'armée allemande. Oui, qui sort celui-là. Soldat Gates, au rapport. Bien. Bienvenue sur le front. Prenez ce soldat. Bon, ça fait des années que nos forces n'ont pas été aussi près du général Strasse. C'est une sale blessure, soldat. Le général Strasse. On élimine le général, on enraye la machine de guerre des Boches. Sinon, c'est eux qui vont nous bouffer. Bon, ça va, fiston. Non, j'ai les yeux qui piquent et je crois que je vais être malade. Est-ce que c'est normal? C'est les nerfs. Je vais t'apprendre un truc. Inspire. Compte jusqu'à 4. Expire. Compte jusqu'à 4. Et le tour. Et d'obéir à des putains de Frankenstein nazis mutants. Alors tout le monde est prêt? Cette fois-ci, on va faire le boulot jusqu'au bout. Bon allez, on se met en route. Allez! Ou quoi? À la guerre, pas sur les bancs de la messe du dimanche. Allez, debout. Une bonne équipe, comme un père et son fils. Voilà, donc Fergus et Wyatt. Fergus le père, Wyatt le fils. C'est fait exprès. Faudra choisir entre les deux. Du moins un des deux à la fin du niveau. Notre mission est simple. Vous allez le voir. Sur ce mur, vous entrez à l'intérieur et vous trouvez le poste de commande qui ouvre cette putain de porte. Vous prenez toutes les armes nazies que vous verrez. Elles sont bien meilleures que les nôtres. Nous, on reste ici pour vous couvrir. Ensuite, quand la porte sera ouverte, on rentrera. Et on vous rejoindra en haut, dans les étages supérieurs. On trouve le boucher et on lui éclate la tête. Vous m'en savez, sans vouloir vous... Donc voilà, un petit niveau où il faut grimper... Si on pour grimper le mur. Tout est foutu. Allez, grimper. Terminé. Oh oui, bien. Hop là, le nazi qui fait une pitch. Hop là, ça c'est fait. Tous les soldats qu'on tue maintenant, ils seront pas tués tout à l'heure dans le château. Hein. Lui, il va se cacher. Il doit y avoir une mitraillette lourde. Pareil. Eh bien joué. Tout le monde va bien en bas.
Mais il a fini de me viser là, ce tocard? Bon, voilà. Ah oui, comme vous pouvez le voir en bas, ma vie reste souvent à 100. Alors, il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez dans ce jeu. Si votre vie chute en dessous, à 80%, donc ce bloc à 80, si elle est au-dessus de 80, automatiquement votre vie va remonter à 100. Si vous êtes à 73, par exemple, elle va remonter à 80, mais elle se bloquera à 80. Donc c'est par palier de 20. Mais votre vie remontera quand même toute seule, donc c'est bien. Bon, ben lui, il est mort. Une victime de plus, général. Vous gardez le compte. L'un de nous va mourir aujourd'hui. Hop là, on active la porte. Désolé si j'avance un petit peu vite. Hein. Mais bon, là, je suis déjà à 43 minutes pratiquement et le chapitre n'est pas terminé. Donc là, je vais y aller en mode bourrin, tuant tout le monde. Saloperie de clébard. Quand il commence à gueuler comme ça. Non mais. Oh, les petits commandants qui se venaient ensemble. Une petite partousse de commandants, c'est magnifique. Non, pas grenade, non. Donc voilà, il y a toujours des objets à récupérer ici. Donc vous avez toujours. Alors. Il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez récupérer de la vie facilement. Par exemple, ici, vous avez de la bouffe. Donc, vous récupérez voilà, du pain, machin. Vous pouvez vous restaurer la vie. Sachant que vous pouvez allègrement dépasser votre vie. Par exemple, pour moi, ça m'est arrivé au boss de fin niveau facile d'avoir 570 de points de vie. Donc, c'est très utile, surtout quand on bat de boss, justement. Donc tout est, comme je vous disais, tout est récupérable. Autant l'armure ça se bloque, autant la bouffe ça peut ramasser. Même les croquettes du chien vous pouvez manger. Vous voyez, ça vous rapporte 4 points de vie par truc. Hop. Ah, désolé, je m'attarde un petit peu pour récupérer quand même un minimum de choses. Je voudrais pas perdre en pleine partie. Oh, lui il a perdu un morceau. Ça c'est sûr. Vu comme ça giclé. Ouais, bon, enfin, je vais pas descendre en bas parce que je vais me blesser sinon. Je l'entendais, ce clébard arriver. Fallait que j'attende là parce que. Donc, il y a différents objets aussi à trouver. Je vous ai pas montré. Je vais vous en montrer par exemple un. Dans le jeu, par exemple, en collection, vous allez devoir trouver. Une épée en or. Donc cette épée en or, ben, c'est tout bête. Elle se planque ici. Bon là, elle n'y est pas parce que je l'ai déjà ramassée. Mais sinon, elle est ici. Une épée en or. Vous n'avez plus qu'à ramasser. Donc voilà. De toute façon, c'est pas... Rien n'est impossible. Comme je vous disais, vous pouvez vraiment tout ramasser. En voilà un beau portrait. Mais c'est dommage. Comme je vais le refaire, il sera plus trop d'actualité. Alors là, je vais tuer un commandant discretos, par contre. Il va me faire un minimum de discrétion, j'aime bien. Alors c'est du vrai allemand, hein, comme vous pouvez entendre. Enfin, je vais pas vous laisser mariner, je vais le tuer de suite. Hop là, lui au moins, il a arrêté. Alors, nous avons une petite porte à ouvrir. Pour tuer
du soldat en discret. Alors, vous voyez, même il vient de pousser un hurlement et pourtant ça reste discret dans ce jeu. C'est ça qui est magnifique. Non, ça fait du bruit, vous voyez, je tire, ça fait un gros bruit machin. Non, pour le jeu, c'est du discret. Bon, ben, il faut pas chercher à comprendre. Hein. Là, c'est discret, voilà, il a poussé un petit cri très, très ridicule. Enfin, un petit cri, il a poussé un tout petit cri. Alors bon, ben là je vais foncer directement hein, au point suivant. Alors, aussi un truc à vous montrer vite fait. Les caisses vertes avec un contour gris, c'est incassable. Par contre, ces caisses-là, vous pouvez les casser. À l'intérieur, vous trouverez toujours des munitions, de la vie, des grenades. Enfin voilà, il y a différentes choses. Et comme je vous disais, donc vous pouvez ramasser la bouffe. Vous en trouverez partout, soit sous la table, soit vous avez d'autres endroits. Donc partout, là par exemple, ici je suis passé à côté, je l'ai juste en passant, je l'ai vu. Voilà, des petites fioles à 20, mais vous en avez à 40, vous en avez même à 80, à 10, à 30. Il y a différentes, on va dire, puissances de vie, en quelque sorte. Là, dodo et dodo, bon bah ok. Vous voyez, il y a un truc qui est super sympa à faire aussi. Les soldats sont tuables, ceux qui sont en bas. Pourtant, c'est un... ça fait partie du décor, quoi. Bien que c'est un coup de bol, et quand on y arrive, je pense que même en jetant une grenade. Ah si, oh bien, deux d'un coup. Mais ça les fait pas plus venir plus. Enfin bon, c'est pas. Parce qu'il y a de plus urgent à faire. Bon, mais tir silencieux, oui, j'ai débloqué encore un nouvel atout qui est ici. Tir silencieux, donc tout simplement, ça accroît la puissance du pistolet et silencieux. Donc là, maintenant, avec ça, quand vous l'aurez débloqué, c'est sûr que vous finirez le jeu avec une puissance. Enfin, vous êtes sûr de tuer chaque ennemi du premier coup. Alors, ça, ces armes-là, elles sont super intéressantes parce que une fois que vous les utilisez, soit vous les laissez comme ça, bon, vous tirez comme ça, soit vous pouvez les attraper pour aller plus loin. Alors, par contre, votre vitesse de déplacement est ralentie et les munitions chutent, comme vous pouvez le voir en bas, à droite, les munitions chutent. Et tout simplement, pour les recharger, ben, vous allez sur la base, vous reposez votre mitrailleuse et elle se recharge toute seule. Donc soit vous arrêtez, enfin, soit vous continuez comme ça dessus, soit vous la lâchez. Sachant que voilà, ça ce sont des munitions illimitées pour ce niveau. Bon, je les ai tous. J'aurais pas fait mieux pour buter ces nazis. Beau travail, capitaine. Bon, on se dirige vers l'épave de l'avion. Blaskovic, tu nous y rejoins. En route, mon gars. Hop. Transport de troupes. Encore des gamins vers l'abattoir. Ah, ils aiment bien. Ils aiment bien faire planter les barres de métal dans les corps, hein. Ah pardon, vous voyez, donc ce gilet pare-balles, comme je vous disais, il est à 25 points de vie. Quand vous aurez à tout, toutes les statues x10, vous l'aurez à 100 points. Essaye de voir si tu peux la déplacer de ton côté. Vous pourriez peut-être utiliser ça pour la dégager.
Merci Wyatt de me passer à ça avec une douceur inouïe. Oh voilà, je sais plus parler. T'es croyant, Prendergast ? Je suis protestant. Vous allez devoir sauter, les gars. Vous d'abord, Wyatt. Tu vas à la messe le dimanche ? Quoi ? Vous avez pas d'église en Angleterre ? Pas de prêtre ? Ouais. Eh ben, bon courage pour trouver une église qui tient encore debout en ce moment. Le banc ! Le plan dîner ! À vous ! Bien sûr, le jeu est scripté, m'empêche de passer. Et comme ça. Et c'est parti, c'est à moi. Oh, quand je me suis tué comme une merde. Oh là là, oh non, mais alors là, je pouvais pas faire plus pourri comme mort. Oh là là, désolé du file. Oh putain, quel boulet. Oh non, mais là, c'était pourri, je pouvais pas faire mieux. Mais bon. Pas grave. Alors le temps de chargement peut être long, même sur un SSD, comme vous pouvez le voir, je suis sur SSD et pourtant c'est assez long. Alors, je vais pas refaire le deuxième coup. Allez, à toi, Blasco ! Tu prends ton élan et... Bah si, je refais le coup, non mais c'est pas incroyable ça ? Ah non, mais vous imaginez quand même que là, il faut être grosse merde infâme comme moi, quoi. Je crois qu'il n'y a pas plus pourri que moi pour perdre dans un niveau comme ça, sans ennemi, juste dans un trou à se tuer. Quand même fabuleux. Je crois qu'on va pouvoir me décerner le... La palme du boulet 2014 et 2000 tout court, toute l'année. Allez, à toi, Blasco. Ah. Quand même. Je te tiens. Même si, vu comme c'était parti, j'allais encore tomber. On est presque à la fin du niveau là. Plus que 5 petites minutes, je dirais, et on a terminé. Là, nous avons du beau petit cadavre. Lui, il vomit, c'est magnifique. Ah, il y a des cendres en dessous. Ah, il y a un paquet de cendres. Eh, Wyatt, essayez d'ouvrir cette porte pendant ce temps-là. Vite. Alors là, nous sommes dans l'installation de la base du boucher. Ce boucher est celui qu'on doit tuer normalement. Qu'est-ce que c'est ? Je suppose que c'est un énorme incinérateur. Vous avez fait quoi, putain ? Désolé, j'ai cru que c'était pour la porte. Donc, ce boucher est un vrai sadique, pervers et autre qu'il puisse y avoir. Il aime bien faire souffrir le monde. C'est un gros sadique. On est foutu. Désolé, je suis vraiment désolé. Alors moi, je vais trouver la clé directement qu'ils vont me demander. Laskovic, trouve la clé. Je sais, ouais, bien sûr, c'est pour aller plus vite parce que je vois qu'on est déjà à 55 minutes de jeu. Ouais, c'est très très long malheureusement, je suis désolé. Et on va chercher l'estropié. Merde, mon bras. Alors là, rechargeons nos armes. Bon, elles sont déjà rechargées. Parce qu'il y a, comment dire, une saloperie qui va sortir de là. Si je pouvais courir, ça m'arrangerait. Hop là, respirateur détruit. Et voilà. Un petit morceau de cendre partout. Magnifique. Un petit morceau de chair surtout. On dirait un morceau de tripe là. Et lui par contre, ben, malheureusement, il est mort. Là, il est plus que mort même. On peut pas l'ouvrir de ce côté. Attendez. Je crois que j'entendais pas, quelqu'un arrive. Et qui vient nous voir ? Coucou le boucher. Je vous présente Général Strauss. Qu'est-ce qui se passe ? Non. Arrêtez. Arrêtez. Je crois que notre heure est venue. Comment on va s'en sortir ? On va être écrasé. Gardez votre sang-froid, soldat. C'est la guerre. Les gens meurent. Votre vie est pas plus précieuse que celle qu'on a tentée. Crevez dans la nuit d'une tranchée. Il a fait notre... Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites ici, messieurs ? Allez, c'est presque la fin. Pour
Il me reste plus qu'à choisir qui je vais sauver et m'échapper, et je conclurai cette vidéo qui va faire une heure, et eh oui, une grosse heure. Donc le chapitrage est indispensable, on va dire. C'est une langue morte maintenant. Vous ? Vous me dites quelque chose ? Vous me plaisez. Vous êtes un spécimen coriace. Je pourrais faire de vous un soldat formidable. J'aime beaucoup ses yeux, à celui-là. Ne touchez pas, enfoiré! Mais j'aime bien les vôtres aussi. Pas les siens! Ils sont déjà abîmés! Quel dommage! Oui ? Aidez-moi à choisir. À votre avis, dites-moi, lequel de ces deux-là profiterait le plus à mes recherches ? J'ai peu de place pour prélever des échantillons. Si vous refusez de répondre, je vais devoir les opérer l'un après l'autre, et nous y passerons la journée ! Allez, un petit effort. C'est ça. Vous n'avez qu'à regarder en direction de celui que vous voulez que je dissèque. Donc voilà, là il y a une espèce de bruit de cocotte minute qui augmente. Si on fait rien, on meurt. Donc c'est malheureusement, on a choisir de tuer soit l'un, soit l'autre. Choisissez pour moi. Donc Wyatt m'a aidé à remonter de la falaise, faire guster mon pilote. Bon, ben, je vais garder le plus jeune quand même, hein, à choisir. Vraiment, celui-ci. J'aurais plutôt choisi l'autre, mais je m'en remets à votre jugement, capitaine. Blasco. T'en fais pas, Blasco. C'est la guerre. C'est la guerre. Les gens meurent. Lui, tu joues toujours la même phrase. Et puis t'es vieux, mon pauvre. Hein. Alors, je disais que le boucher est un gros sadique. Il taille à vie, il récupère. Il taille à vif, pardon. Il récupère les yeux du. Il récupère les yeux de Fergus vivant. Il est dégueulasse. Jusqu'à maintenant. Compte jusqu'à 4. Inspire. Compte jusqu'à 4. Expire. Petersen, ça l'a pris. Donc voilà, vous voyez, j'ai débloqué la version de Wyatt. Donc Wyatt, lui, me permettra de crocheter les serrures. Si j'avais sauvé Fergus, ça m'aurait permis de pirater les coffres. Enfin, pirater les coffres. On détruit le... On détruit les boutons du digicode et on fait toucher les fils entre eux trois fois pour déverrouiller... Ah bah déjà. Et voilà. Voilà, donc Wyatt m'a permis de crocheter, de faire ce système de crochetage. Hop là, ça c'est fait. Et fin de niveau.
Donc voilà pourquoi nous allons après commencer le niveau en 1960, parce que Monsieur Blazkowicz, que nous voyons ici, se ramasse un éclat d'explosion dans la tête qui s'appelle un shrapnel, qui va le plonger dans une espèce de tas de légumes, enfin pas dans une espèce, ça va le plonger en état de légumes pendant 14 ans. Donc voilà, donc quand il va reprendre ses esprits, nous serons en 1960. Et c'est ce qui est de bizarre, c'est que cette intro comme ils font, avec le titre et tout, ça pourrait limite servir de générique de début, mais bon. Donc vous voulez commencer autrement. C'est pas beau ça, on en a une heure de vidéo et je viens de finir le chapitre. Eh ben, il était long. Quand je vous disais que c'était long, alors, heureusement, ce chapitre, justement. Donc bon, je vais pas vous montrer plus parce que le chapitre 2 va se lancer. Je peux pas couper, bon, il y a au moins cette vidéo que je peux pas couper. Donc moi je vais vous expliquer, donc voilà. Le chapitre est terminé, je vous invite à faire ce jeu, il est super intéressant. Moi j'en ai eu pour plus de 60 heures en tout pour le finir à 100% succès inclus. Donc pour débloquer les 50 succès en tout. Donc c'est un jeu qui est intéressant à faire, vous le trouverez sur Steam en plus en édition occupée. C'est une pseudo édition collector sans lettres bien entendu. Hein. Il y a juste un petit livret qui donne un petit bonus, un porte-carte, enfin voilà, il y a des petites choses super sympas. C'est quelque chose à faire, voilà, il est à faire ce jeu, il vaut le coup. Par contre, attention, bon, c'est pas gros, très gourmand à utiliser sur les cas graphiques, mais vous vous retrouverez quand même avec des faiblesses si votre carte est assez fatiguée, et assez usée, on va dire. Hein. Donc voilà, c'est quand même un bon jeu, faites-le. Bon voilà, je mets en pause. Faites-le, il vaut le coup. Et c'est ce que je peux dire maximum quoi. Je peux pas vous en dire plus au niveau du jeu. Je vais vous laisser le découvrir. Donc c'est sur cette fin de vidéo qu'on se quitte. Il me reste à vous souhaiter une bonne continuation. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc je pense que ce sera un petit comparatif de logiciels de capture ou un petit bench. Je sais pas encore. En attendant septembre, voilà, je vais poster des nouvelles vidéos. Donc voilà, allez, à la prochaine tout le monde, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut !